Bonsoir tout le monde et bienvenue au programme dédié aux droits des femmes. L'équipe vous invite à vous joindre à nous pour trois activités interactives et éducatives. Tout d'abord, Eden et Nolan vous ont préparé un quiz sur le thème du consentement avec de super prix à la clé. On vous fera gagner trois ouvrages féministes qui risquent de rendre vos pauses pendant le blocus passionnantes. Ensuite, Mélissa, Hortense et Nathan vous ont présenté des militantes qui ont fait avancer les droits des femmes au cours de cette dernière décennie dans le monde entier. Lucie, Donovan, Nalou et Paulina se retrouveront pour une table ronde afin de réagir et de discuter des stéréotypes de genre que vous nous avez envoyés sur les réseaux sociaux. On espère que le programme vous plaira. N'hésitez surtout pas à jeter un petit coup d'œil sur Facebook et Instagram pour en savoir plus sur nos activités. Et qui sait, peut-être pour rejoindre l'Amnesty. Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie d'être là avec vous. Je m'appelle Eden et comment ça va, Donovan? Honnêtement, ça va super. J'ai passé une super journée aujourd'hui. J'ai participé au live, tout ça, tout va bien. Donc, ouais, ça va super. Nickel, bah, je vais très bien aussi. Et ce soir, on va vous proposer tous les deux de jouer à un petit quiz avec nous. Je sais que vous l'attendiez impatiemment puisqu'il y a des prix à la clé et des prix qui sont assez géniaux, je vous préviens. Puisque dans les prix, on retrouve tout d'abord trois livres. J'ai deux exemplaires ici devant moi. Tout d'abord, il y a le prix King Kong Theory de Virginie Despentes, qui est donc un livre sur la réalité des rapports entre les hommes et les femmes, directement lié au formatage dès le plus jeune âge qu'ont les jeunes enfants, hommes, femmes, dans la société, qui est, on va pas se mentir, fondamentalement patriarcale, sous la forme d'un essai, donc. Et donc, dans ce manifeste pour un nouveau féminisme, Despentes conteste le discours bien pensant sur le viol, la prostitution et la pornographie. C'est un classique de la littérature féministe. Deuxièmement, nous avons Les sentiments du prince Charles de Liv Strömquist, une Suédoise, comme vous pouvez l'entendre, qui est une bande dessinée qui mène sa réflexion sur le pourquoi du comment des relations amoureuses entre les gens. Et donc, ainsi, les moindres faits et gestes de Charles, Diana, Whitney et Bobby Brown, donc si vous aimez un peu le drama, c'est parfait, se mêlent à des faits historiques ou à des situations tirées du quotidien en replaçant les liaisons sentimentales dans leur contexte socio-culturel. Elle invite à reconsidérer la relation amoureuse autrement que par les normes hétérosexuelles monogames. Et enfin, je n'ai pas l'exemplaire devant moi, mais c'est pas grave parce que je vous assure que c'est un livre incroyable, c'est l'Atlas of Beauty de Miela Norok, qui est donc, comme son nom l'indique, un atlas qui fait l'apologie de la femme à travers pas plus de 500 photos de femmes faites dans plus de 50 pays du monde. Et ces photos sont accompagnées des citations de l'autrice de ces photos, Miela Norok, qui partage son expérience personnelle. Restez donc jusqu'à la fin du live, parce que les trois grands gagnants seront annoncés tout à la fin. Effectivement. Voilà. Le petit quiz que nous vous proposons aujourd'hui est sur le thème du consentement. Je ne sais pas si tu t'y connais un petit peu. Je veux dire que mes connaissances sont assez basiques, mais je pense que j'ai une très bonne idée de ce que le consentement veut dire et de sa signification vraiment en tant que telle et des caractéristiques qu'il a pour dire que c'est un consentement. Donc voilà. Super, ben, c'est exactement de ça dont on va parler et on va tester un peu vos connaissances du coup, puisque les idées liées à la violence sexuelle et au viol sont intimement liées à la notion de consentement lui-même. Et donc ça peut sembler couler de source parfois, mais pour certains, c'est pas encore bien ancré dans leur tête, apparemment. Et nous pouvons commencer ce petit quiz. Alors, je vous lis tout de suite la première question. Lorsque ça chargera, Internet, les amis de la technologie, voilà, c'est magnifique. Les aléas du direct. Oui, bien sûr. Ça charge. Ça charge, mais comme ça, vous pouvez vous préparer. Voilà, première question. À quel âge la Belgique a-t-elle fixé la majorité sexuelle? À 16 ans, à 18 ans ou à 14 ans? Je vous laisse répondre dans le chat. Exactement.
Allez-y, ne soyez pas timide. On commence facile, hein, normalement. Ouais. Donc, ah, on a une première bonne réponse, deux bonnes réponses. Et attention, plus qu'une troisième. Non. Il y en a qui n'ont pas bien révisé, malheureusement. Attention. On attend encore un peu. Et oui, et du coup, je vois quand même quelques bonnes réponses. Mais pour ceux qui ne le savent pas, la majorité sexuelle est fixée à 16 ans en Belgique, effectivement. Et donc avant cet âge, toute relation sexuelle est considérée comme non consentie parce que la personne est trop jeune pour avoir un consentement valable. Effectivement. Mais c'est très bien, il y en a qui apparemment connaissaient quand même cette réponse. Question suivante. Alors, un acte sexuel non désiré peut être qualifié de vol lorsque A. La victime a explicitement indiqué sa réticence. B. La victime est une femme uniquement. C'est il y a une absence de consentement ou des quand il y a pénétration. Alors je précise, il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Oui. Faites okay. Attention. On a mis des petits pièges. Dans voilà, exactement. Plus compliqué hein, celle-là. Tout de suite. Moins un peu plus de réflexion. Oui, bien sûr. Il y a des petits pièges en plus. C'est pas si facile que ça quand on y pense. Bah, on peut avoir des appréhensions, enfin pas des appréhensions, mais des convictions dans une réponse et s'avérer être fausse en fait. Bien sûr. Ah oui, si tout le monde était d'accord à ce sujet, on ne ferait pas ce quiz aujourd'hui, bien sûr. Hop. A, C et D. Une petite faute. Toute petite. Mais vous êtes sur la bonne voie. On a une bonne réponse. Ouais. C'est bien. Je suis fière de vous. Encore quelques bonnes réponses. Voilà. Hein, parce que... une deuxième bonne réponse. Encore une dernière, si possible. Allez-y, tentez votre chance. Bien joué, bravo. Les bonnes réponses étaient donc lorsqu'il y a une absence de consentement, mais également lorsqu'il y a pénétration. C'est les deux éléments d'un viol dans sa définition, dans le code pénal. Mais cependant, ça reste une définition très floue, puisque qu'est-ce que le consentement ? Eh bien, ils ne le définissent pas, parce qu'apparemment, c'est pas si facile à définir, on le verra. Et donc, ça rend la charge de la preuve parfois extrêmement compliquée pour la victime. Et si vous ne le saviez pas, dans des pays comme la Suisse, un acte n'est considéré comme un viol que si la victime est une femme. Donc voilà, il n'y a pas apparemment de viol sur les hommes en Suisse. Comme quoi, il y a des pays pour lesquels la notion de viol n'est pas encore très bien posée. Mais c'est bien, je vois que des gens s'y connaissaient. Oui, c'est très bien. Question suivante, du coup. Quelle qualité un véritable consentement doit-il revêtir ? Donc, je répète, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Donc, il doit être clair et non équivoque, il doit être irrévocable, il doit être libre et il doit être éclairé. On attend vos réponses. On attend impatiemment vos réponses parce que, même chose ici, c'est vrai que ça a trait à la définition du consentement même qui n'est pas facile à donner. Libre et éclairé. C'est pas mal comme début, mais il y a peut-être encore quelques caractéristiques. Donc je répète les propositions. C'est clair et non équivoque, irrévocable, libre et éclairé.
On attend encore un peu. Ah, pour le moment, il manque de petits éléments. Ouais. Ce qui est juste pour l'instant. Oui, ouais. Et à chaque fois, c'est des réponses incomplètes ou qui sont fausses, mais comme on l'a dit, le consentement n'est pas encore clairement identifié, donc c'est assez compliqué d'y répondre. Si vous avez déjà répondu, n'hésitez pas à compléter votre réponse, bien évidemment. Tout de Ricky. Ouais, on a une bonne réponse. On attend d'autres bonnes réponses. N'hésitez pas. Faites appel à votre créativité, à votre culture, bien entendu aussi. Hein. Oui. Imaginez ce que peut être le consentement dans votre tête. Tout. Hop. On attend encore un peu, donner au temps, aux gens du temps, pour réfléchir un peu. Non, cette proposition. 3, 2, 1. Bon. Ben écoutez, les trois caractéristiques du consentement, oui, puisqu'il y en avait trois, c'est qu'il doit être clair et non équivoque, libre et éclairé. Puisque un consentement, ça équivaut à un accord entre deux personnes. Et donc, ce sont les trois qualités que doit revêtir cet accord. Mais il est bien entendu révocable, puisqu'il peut être retiré à tout moment, que ce soit avant, pendant, après l'acte sexuel, bien entendu. Prochaine question. Si une personne ne montre pas de refus catégorique avant un acte sexuel, alors elle y consent. Vrai ou faux ? Là, ça va être assez rapide. Et c'est bon, on a déjà nos trois bonnes réponses. Vous avez été rapide sur celle-là. Bien joué, en effet, c'est totalement faux. Puisque un consentement doit s'établir de manière positive et non négative. Puisqu'une personne qui donne son consentement, son consentement doit être explicite. Et donc, si vous n'êtes pas sûr et certain à 100% que l'autre personne consent à l'acte sexuel, ben, il n'y a pas de consentement. Voilà. Cinquième question, on est à la moitié de ce petit quiz, donc si vous n'avez pas encore répondu et que ces magnifiques livres vous intéressent, n'hésitez pas à commencer à répondre maintenant. Bien sûr, vous avez encore toutes les chances de gagner. Attention, celle-là, elle est compliquée, je préviens, puisque de nouveau, à choix multiples et il y a beaucoup de choix. Dans quel cas n'y a-t-il pas de consentement ? Donc je répète bien qu'il n'y a pas de consentement. Premièrement, la personne a déjà consenti à une activité similaire par le passé. La personne a donné son consentement mais a changé d'avis par la suite. La personne dort ou n'est plus consciente à cause de la prise d'alcool ou de drogue. Une autre personne que la personne concernée a consenti à l'acte. La personne a hésité ou n'a donné son consentement qu'à demi-mot. Et enfin, la personne a donné son consentement par peur ou à contre-cœur. Je vous laisse répondre maintenant. Et on a notre trois bonnes réponses. Vous êtes au taquet, c'est génial. En effet, toutes ces situations ne sont pas des situations où il y a un consentement. Puisque il n'y a pas de zone grise en matière de consentement. Zone grise qui est un terme souvent utilisé par des agresseurs et des violeurs. Quand on dit « Ah, mais bon, allez, j'étais pas sûre », mais quand même, ben non, il n'y a pas de « j'étais pas sûre ». Si t'es pas sûre, ben ne le fais pas, bien évidemment. Et c'est un terme employé par certains pour renforcer cette culture du viol encore trop présente dans nos sociétés. Et donc, je répète, un consentement, il doit être libre, clair et éclairé. Voilà, voilà. Question suivante. Le consentement n'est plus nécessaire au sein d'un couple. Vrai ou faux ? Ça va aller assez vite aussi, à mon avis. Oui, généralement. Puisque maintenant, vous êtes tous bien chauds. Vous êtes au taquet. Alors. Et nickel, on a nos bonnes réponses, c'est très bien. En effet, même au sein d'un couple, eh bien, les partenaires doivent s'assurer que l'autre consent à tout acte commis au sein de ce couple. Prochaine question, on se rapproche tout doucement de la fin, donc battez-vous pour avoir vos points si vous voulez vraiment les prix.
Ça va aller vite aussi, attention. Un silence équivaut à un consentement vrai ou faux. Eh bien, bien joué, encore une fois, vous êtes au taquet, vous avez très bien répondu. Un silence ou une absence de refus ne peut pas valoir un consentement. Jamais, jamais, jamais. Voilà, je le répète parce que je suis sûre que parmi vous, comme vous avez bien répondu, tout le monde est un petit peu au courant, mais apparemment, il y a des gens pour qui c'est pas assez évident. Prochaine question. Selon vous, combien de jeunes Belges pensent que les femmes être forcées et que d'ailleurs la violence sexuelle les attire? Alors, on a trois possibilités de réponse, 25%, 13% ou 6%. Là, une seule possibilité est juste. Allez-y. Et on a déjà trois bonnes réponses, vous êtes incroyables. En effet, c'est 25% des jeunes hommes. Et ça fait un peu peur, hein, ces statistiques, je trouve. Donc l'idée que les femmes disent non pour se faire désirer, aiment bien être un peu forcées, qui a pour effet en fait d'annihiler toute notion de consentement. Hein, parce que quand on dit non, c'est dans le fond, non, si on dit non, c'est que c'est non. Et l'insistance dont font preuve certains hommes, ou certaines femmes même d'ailleurs, font sentir l'autre personne embarrassée, sous pression, contrainte. Et donc, si c'est non, c'est non. Avant, dernière question, attention, soyez bien au taquet. Quel est le pourcentage de jeunes Belges qui pensent encore que si une personne n'a pas explicitement dit non, l'acte ne peut être considéré comme un viol? C'est soit un tiers des Belges, soit un quart des Belges, soit un sixième des Belges. Je vous laisse répondre. Et c'est parfait. Vous êtes incroyable. C'est en effet un tiers des Belges, ce qui est beaucoup trop et qui est très choquant. Un grand chiffre. Puisque je répète, le consentement tacite, ça n'existe pas. C'est comme les licornes, c'est un mythe. Et donc, même si la personne ne dit pas non explicitement, ben ça ne veut pas dire qu'elle consent à l'acte pour autant. Et donc, je te laisse lire la fameuse dernière question. Attention, dernière question. En Belgique, combien de personnes sont victimes de violences sexuelles? De nouveau, trois possibilités, 25%, 15% ou 50%. Une seule possibilité, on attend de réponse. C'est parti. Alors. C'est très bien. J'en ai de quota. En effet. Donc, en quelques chiffres maintenant, en Belgique, 47% des Belges ont déjà subi des violences sexuelles dans leur vie. 48% de ces victimes ont subi ces violences sexuelles avant leur 19 ans. 24% des jeunes ont déjà subi un viol. 20% d'entre eux sont des femmes. 23% des femmes ont déjà subi des relations forcées par leur partenaire. Et seuls 14% des personnes qui portent plainte se disent satisfaites de leur démarche. Et bien voilà, c'était tout pour ce petit quiz. Vous avez été incroyables, il y a eu plein de bonnes réponses très rapides, vous avez été très interactifs, je vous en félicite. Donc, petit mot de la fin, je rappelle quand même que la notion du consentement est plus qu'importante dans notre société, dans laquelle la culture du viol et le patriarcalisme est encore beaucoup trop présente. Je trouve ça génial que vous ayez participé à des petites chroniques comme celle-ci. Si ça peut aider à faire avancer les choses, moi je suis la plus heureuse du monde et je vous remercie encore d'avoir participé. Alors oui, effectivement, on peut voir même à travers ce quiz que il y a encore de gros chiffres concernant tout ce qui est consentement et la culture du viol. C'est assez impressionnant que de voir que il y a encore 50% des personnes qui ont subi des violences sexuelles. Qu'un tiers de Belges a vu la réputation pour ne pas dire des bêtises. C'est par rapport au fait que les femmes aiment la violence. C'est quand même encore des grosses portions en fait, de population dans notre société actuelle, dans notre société moderne en fait. C'est quand même incroyable de voir que même ici en Belgique, donc on ne sait pas que c'est. Qu'en Orient ou des trucs comme ça, non, on voit que même chez nous, en fait, que même votre voisine peut-être peut faire partie de ce lot, et je trouve que c'est quand même impressionnant et voire même choquant, oui, de voir qu'encore en 2020,
eh ben, il y a encore des grosses stats comme ça par rapport à tout ça. Tout à fait. Donc, je vous invite à faire notre petite pause et on va passer à la deuxième partie. Ce sera une présentation présentée avec une marmonde de différentes femmes qui ont fait avancer les droits des femmes, présentée par Hortense et Mélissa et accompagnée de Nathan. Et je rappelle pour ceux qui ont participé qu'on annoncera les gagnants à la fin du live, donc maintenant vous êtes obligés de rester jusqu'à la fin. Voilà. On vous attend donc. Je vous souhaite une bonne soirée. Eh bien, bonsoir et bienvenue pour ce second quiz qui va porter cette fois-ci sur la célébration de 10 femmes ou mouvements ayant fait progresser les droits des femmes cette dernière décennie. Donc moi, c'est Hortense. Je vais présenter avec Mélissa ainsi que notre invité Nathan, notre invité spécial du jour. Et on vous propose bien évidemment de participer avec nous dans le chat. En effet, ce sera vraiment le système de qui est cette femme, donc qui est-ce, voilà. Essayez de répondre un maximum quand même, de participer pour savoir si vous avez quand même la culture générale en droit des femmes. Et bien sûr, notre invité Nathan dira son commentaire où on va voir aussi ses connaissances en droit des femmes aussi. Voilà, qui risque peut-être d'être limitées. Hein, je ne t'inquiète pas, tu connaîtras sûrement des personnes. Sans perdre de temps, on va commencer tout de suite avec notre premier continent, l'Amérique du Nord, et cette première figure que peut-être vous connaissez, que peut-être si tu connais Nathan. Pas au premier coup d'œil, non. C'est une actrice. Oui. Transgenre. Transgenre. Elle a joué dans quel film, peut-être Ça, je ne sais pas, mais elle a été Ah, d'accord. Oui. Je n'ai pas vu la série, mais je connais un peu les thématiques abordées. Dans la série, en effet. Donc, il s'agissait de Eva Hancock. Je ne sais pas si ce nom te dit quelque chose. Pas vraiment. Mais donc, c'est donc une grande actrice à renommée internationale. Et outre sa carrière, elle milite en tant que porte-parole des droits des femmes et des droits LGBT, en fait. Voilà. Et en 2014, c'était la première personne transgenre à être nommée au Emmy Award, qui est un premier tour, voilà. Et petit commentaire, je pense qu'on va quand même au 21e siècle qu'il y a une évolution de la communauté transgenre, de la communauté LGBT+, si je ne me trompe pas, mais aussi des droits des femmes. Voilà, je pense qu'on va passer à la suivante. Oui, et on passe directement à notre second continent. Il s'agit donc de l'Amérique du Sud. On se déplace au Sud et là, on va parler d'un mouvement, donc plus d'une personne, mais d'une performance. On a d'ailleurs une petite vidéo à vous montrer, je ne sais pas si elle va se lancer. Alors ça, déjà, je le connais déjà plus. Alors on va parler de danse, si la vidéo ne se lance pas. On s'était promis qu'on allait apprendre la danse et la chanter, la danser nous-mêmes. Oui, mais non, ce sera hors de question avec ma voix. Non, merci, j'ai envie d'avoir des orages, voilà. Surtout que nous avons ça, il ne faut pas qu'on perde nos auditeurs. Ce mouvement, je le connais, pas en profondeur du moins, mais il fait écho en fait à, si je ne m'abuse, c'est le Chili, c'est bien ça, en partie, bon après je pense qu'il s'est un peu disséminé, mais il fait écho en fait à une situation
sociopolitique déjà très grave au Chili. On le sait notamment toutes déjà les nombreuses manifestations qui ont eu lieu ces derniers mois. Le Chili est vraiment dans un espèce de basculement. On sait qu'ils vont revoir la constitution où il y avait quand même des choses qui étaient très rétrogrades, voire moyenâgeuses. Et donc voilà, ce mouvement féministe qui, je trouve que d'un point de vue visuel, est assez fort. Enfin, donc, on parlera dans des termes de performance artistique, puisque c'est une performance à proprement parler, et qui, je l'espère, va faire changer les choses. Mais je suis sûr que, vu la conviction que ces hommes et ces femmes ont pour faire changer les choses, j'ai bonne foi pour que dans les prochaines années, dans les prochains mois même, il y ait un changement au Chili. Ok, ouais. Voilà, comme cette performance qui s'appelait Un Violador en tout Camino. En effet, et il y a même une spectatrice qui nous a dit en français c'est un violeur sur ton chemin. Enfin, la chanson s'appelle c'est un violeur sur ton chemin, mais en espagnol, voilà, j'ai oublié le mot. C'est Un Violador en tout Camino, comme a dit ma collègue en France. Performance qui a été reprise d'ailleurs dans de nombreux pays d'Amérique du Sud. Il n'y a pas eu qu'au Chili qu'il y a eu des démonstrations, des manifestations pour lutter contre le patriarcat. En effet, oui, voilà. Le seul avantage, c'est que c'est une chorégraphie, c'est un flash mob qui a été fait par de nombreuses femmes de tout âge, que ce soit une jeune adolescente jusqu'à une vieille mémé. Je ne discrimine pas, mais elles sont trop mimi quand elles dansent, voilà. Et le seul avantage aussi, c'est qu'elles se sont fait découvrir avec des yeux bandés et un foulard vert pour dire non au féminicide et à la violence sexuelle. Voilà, très beau geste. On se déplace à présent pas loin de chez nous, en Europe. Pas loin de chez nous, c'est le cas de le dire, puisqu'on va en Europe. Et là, on aura trois filles au mouvement à vous faire découvrir. On passe si tu ne connais pas la première, honte à toi. Et ma voiture. Bon, là, on va la jouer, c'est plutôt facile. Est-ce que tu connais un petit peu les engagements de Emma Watson par rapport au féminisme? Alors, je sais que déjà très tôt, après la saga Harry Potter, elle a profité de sa notoriété pour diffuser un message pour les droits des femmes. Je sais qu'elle se déplace beaucoup, elle fait beaucoup de conférences. Elle a joué aussi dans un film, Les filles du docteur March, qui aussi avait pour but de légitimer la place de la femme dans la littérature, qui est un très très beau film. Donc oui, je suis un peu de loin les actions que Emma Watson fait un peu à travers le monde. Et je pense que par sa notoriété, c'est aussi un beau message, un beau flambeau. On a besoin aussi de ce genre de personnes qui sont très connues et qui vont pouvoir défendre comme ça ce genre de combat. Petite question, petite parenthèse plutôt. Quel est son nom dans Harry Potter pour savoir si c'était un vrai follower d'Harry Potter? Hermione Granger. Merci, Dieu merci, super, ok. Parce qu'il y a des personnes qui ne connaissent pas du tout. Et qui est Harry Potter, je ne comprends pas pourquoi. Petite parenthèse, pardon. Il fallait le dire. Et est-ce que tu as déjà entendu parler de la campagne E4She pour laquelle elle est ambassadrice, et c'est la raison pour laquelle on l'a choisie ici? Alors, j'en ai entendu parler, mais j'attends que vous me présentiez plus en détail. Alors oui, je connais, mais... E4She est une campagne qui a été lancée par ONU Femmes en 2014, il me semble. En effet. Et c'est une campagne qui, en fait, a l'originalité de se centrer sur la parole des hommes dans le féminisme. C'est-à-dire que c'est un mouvement, un hashtag à la base, il me semble, qui encourageait les hommes à prendre la parole en ce que leur voix, finalement, a le pouvoir de porter le féminisme, elle aussi. Mm-hmm. Donc voilà, initiative tout à fait originale, il nous a semblé. Voilà. Et c'est surtout son discours à l'ONU en fait qui a lancé cette campagne et qu'on a vu que c'était une vraie militante des droits des femmes. Très bien, on peut s'inspirer, je pense. Oui, maintenant allons chez notre voisin, la France, enfin voisine. Pardon. Pour ce second mouvement ou personne, lui aussi très connu. Alors, le mouvement MeToo, je sais que c'est parti, alors peut-être que je vais me tromper, mais après l'affaire Polanski, c'est possible? Yes. Enfin, du moins, après toutes les témoignages de ces actrices qui ont subi, à un moment donné ou à un autre, des violences
ou des pressions, du moins de la part des auteurs, des films, etc. Mais je sais que l'affaire Polanski avait fait grand bruit, qu'il avait été répercuté, je pense, par le mouvement. Mm-hmm. Mais après, bon, c'est le hashtag MeToo, vraiment, après, c'est diffusé au niveau du message qu'il voulait faire transparaître. Ok, et en France, tu te connais mieux pour ce mouvement, genre le MeToo, c'est aussi fait en France, genre le hashtag en français. La personne qui a initié, peut-être, tu as des nouvelles Alors, je sais que c'était le hashtag balance ton porc, si je ne m'abuse. Le hashtag balance ton porc, alors de qui c'est venu? Là, je ne voudrais pas faire commettre d'impair, mais j'attends que vous me dites. C'est la française Sandra Muller en 2017 qui a lancé le hashtag. D'accord. Et je voudrais juste donner une explication de pourquoi c'est balance ton porc, enfin le nom des hashtags. Bah, balance, c'est dire témoigne ce que tu as vécu. Et ton porc, bah, le porc, c'est. Allez, je vais y arriver, d'accord, merci. En fait, le porc, enfin, c'est l'homme qui est représenté comme un porc, qui est un animal, on va dire, reconnu comme répugnant. Et donc, pour eux, l'homme est une personne qui est très répugnante. En effet, peut-être nuancer aussi que tous les hommes ne sont pas répugnants. Alors je me fais l'avocat du diable, c'est pas. Voilà. Mais en effet, on remarque, et en plus dans le monde cinématographique, beaucoup de metteurs en scène ont profité, mais pas que, hein, dans le domaine de la chanson, en politique aussi. Beaucoup d'hommes profitent de leur statut, entre guillemets, pour se permettre certaines actions qui vont à l'encontre des femmes. Donc oui, ce genre de personnages, ce sont des porcs. En effet. On va préciser juste une dernière chose, qu'aujourd'hui, Balance ton porc, c'est considéré comme la première source de témoignages de victimes de viol ou d'agressions sexuelles en France, qui est quand même pas rien. Donc voilà, pour démontrer le succès qu'a eu ce mouvement. Je vous propose de se déplacer vers notre troisième mouvement, lui aussi plutôt récent et connu, je crois que tu vas facilement le reconnaître. Oui, alors c'est le mouvement qui a lieu en Pologne. Donc, suite à la proposition de... Enfin, c'est pas la proposition de loi, mais vous c'était me reprendrez sur les... décision de la Cour constitutionnelle. Voilà, décision de la Cour constitutionnelle menée par le PIS, donc ce groupement politique qui avait voulu limiter l'IVG, donc retirer certaines possibilités. Donc je sais qu'il y avait pour la malformation, pour les cas de viol, etc. Mm-hmm. Et maintenant je pense qu'il ne reste plus que le viol. Ouais. Mais je pense également que suite à un mouvement qui était quand même assez conséquent en Pologne, dans toutes les villes et dans les capitales, ils ont, je pense, réussi à faire infléchir, je pense, la décision. Mais ça, il faudrait vérifier. Mais en tout cas, ils sont peut-être en renégociation. Mais de nouveau, la Pologne, elle fait écho à une espèce de crise généralisée dans le pays. On le voit bien même avec les droits LGBT+, pour les femmes. Il y a un réel problème politique. Je sais que l'Europe veut prendre aussi des mesures pour faire pression sur la Pologne et sur ses décisions qui sont, avouez-le, quand même extrêmes. Je sais que la Pologne, c'est au niveau de l'IVG, c'est le pays européen qui a déjà une des lois entre guillemets les plus difficiles, les plus dures. On sait qu'il y a beaucoup de femmes polonaises qui doivent du coup partir à l'extérieur du pays pour pratiquer l'IVG, ou alors pratiquent l'IVG mais de manière qui ne respectent pas les conditions sanitaires, ne sont pas respectées. Et alors là, on remarque un fort taux de mortalité chez ces femmes qui souhaitent donc interrompre leur grossesse. Et c'est l'un des pays, enfin la Pologne est l'un des pays qui est le plus souvent devant la Cour européenne des droits de l'homme parce qu'il y a un très grand nombre de non-respect des droits de l'homme. Oui. Voilà. Et le nom du mouvement, c'est, si je ne me trompe pas, c'est Strach Kobiet. Donc vous pouvez aller voir plus d'infos là-dessus et n'hésitez pas à commenter aussi parce que je ne vois pas trop de commentaires. Et je pense même que Amnesty avait fait une publication, oui, donc on en profite, n'hésitez pas à aller liker notre page Amnesty MULB, et je sais qu'on avait proposé une publication sur le sujet, donc, ouais, et on vous en proposera encore plein d'autres dès que nous serons au courant de ce genre de situation. N'hésitez pas à participer. Alors sans plus attendre, on va se déplacer vers notre continent suivant qui est l'Asie. On voyage. Ah oui, là pour le coup. On fait le tour du monde, voilà. Faut avouer que les militantes féministes asiatiques sont peut-être moins connues du grand public. Est-ce que par hasard tu connais cette femme?
On s'est permis de mettre un petit indice, je ne sais pas si ça va vous aider vous aussi dans le chat. Malheureusement, cet indice est donc une paire de baskets, si vous ne voyez pas. Malheureusement, ça ne me parle pas, mais c'est vrai que comme vous l'avez dit, je pense qu'il y a une sous-représentation en Europe et en Occident qui mériterait justement d'être mise en lumière, donc je vous écoute. Je me lance ou... Oui, vas-y. D'accord, merci. Donc, la personne, c'était Yumi Ishikawa, qui en fait a repris le mouvement MeToo, mais en japonais, qui devient Kutu. Et en fait, il y a une tradition japonaise, pardon, qui dit que les femmes devraient porter des talons hauts au travail. Voilà, c'est une obligation. Et elle a été contre ce mouvement parce que c'était une, si je ne me trompe pas, une hôtesse d'hôtel. Oui, et donc, porter 8 heures par jour des talons vraiment très, très, très grands, c'était très insupportable. Et donc, elle s'est manifestée en portant des baskets. Il faut savoir que ça peut paraître anecdotique pour nous ici, mais qu'au Japon, ça représentait et ça représente toujours une pression véritable sur les femmes et sur leur environnement de travail. Voilà. D'accord. Et je suis sûr, certain, que cette obligation de porter des talons est venue d'un homme. Voilà. Malheureusement. Et ici, à l'inverse, on a eu notre chère secrétaire d'État, Sarah Schmitt, qui était connue avec ses baskets au sein. Voilà. On passe donc à notre figure suivante, elle aussi, enfin, elle pour le coup plutôt connue. Alors je la connais, mais alors son nom, son prénom, Peut-être le pays. L'Inde. C'est le Pakistan. C'est le Pakistan. Le Pakistan, pays frontalier de l'Inde. Mais... Pas loin. Il s'agit donc de Malala Yousafzai qui est une. Elle a l'originalité de se battre en fait pour l'éducation des jeunes filles au Pakistan. Et peut-être, est-ce que tu connais son histoire Pas spécialement, plutôt la situation de nouveau dans les pays de la région de l'Inde, de l'océan Indien. C'est vrai que l'accès à l'éducation un peu partout dans le monde est assez difficile. On remarque que malheureusement, quand on a une famille, ce seront d'abord les garçons qui vont aller à l'école, et puis seulement les filles. Donc je me doute qu'elle doit militer pour cet accès universel finalement à l'éducation. Et surtout aussi pour les filles qui n'en ont pas l'occasion. Oui, alors il faut savoir qu'en fait Malala, elle tenait un blog depuis les années 2010-2011. Elle était très jeune à l'époque, elle devait avoir 13-14 ans, sur lequel elle revendiquait donc le droit à l'éducation des filles, elle reportait la situation au Pakistan, et elle a été victime d'une tentative d'assassinat en 2012. Elle était âgée alors de 14 ou 15 ans. Avant de continuer à se battre pour ce droit à l'éducation, et elle a aussi gagné le prix Nobel de la paix à 17 ans, ce qui est quand même... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça juste impressionnant. On parle quand même d'une très très jeune fille de 10-11 ans, commence à s'engager comme ça, enfin, c'est juste incroyable. Mais oui, en effet, comme tu l'as dit, une survivante de tentative d'assassinat, moi à cet âge-là, je ne savais même pas ce que c'était une réalité amnistie ou tout ce qui est droit de l'homme. Enfin, j'entendais, mais ce n'était pas un truc. Et franchement, j'ai honte pour moi de ne pas avoir réagi très 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 tôt, de ne pas en savoir plus. Et je suis fière que des femmes ou des jeunes filles comme ceci se battent pour nos droits. On tient à dire quand même qu'il n'est jamais trop tard pour se mettre à se battre pour les droits des femmes. On va se déplacer vers notre avant-dernier continent, qui est l'Afrique. Là aussi, des personnalités peut-être un petit peu moins connues chez nous, mais c'est pour ça qu'on va tester tes connaissances ici ce soir. Je passe sur le grill. Dis peut-être le pays pour cette parenthèse. Alors, oui, mais je vous devinais sur les pays, ça sera un peu stigmatisant, je pense. Mais non, vraiment... La capitale est lequel? Ah, alors l'Égypte, ça va. Donc en Égypte, aussi un pays qui est en plein bouleversement, qui commet aussi beaucoup d'exactions et qui viole régulièrement les droits humains. Il s'agit en fait de Léa Dadon-Comsen, qui est une avocate de 39 ans basée au Caire et qui est la présidente du Centre égyptien pour les droits des femmes. C'est l'une des premières organisations, d'ailleurs un petit peu étouffée par le gouvernement, il faut le dire, pour... traiter des questions juridiques, des droits des femmes, des droits à l'éducation, de la pauvreté, etc. Et elle se bat également pour une représentation plus marquée, des femmes dans les institutions politiques.
Donc voilà. D'accord. On peut se déplacer vers notre seconde personnalité. Alors, on s'est permis là aussi de mettre un petit indice. Aurait-elle fait une chanson peut-être pour... Ce n'est pas une chanteuse. Non. Est-ce qu'elle a peut-être Beyoncé donc, elle vient peut-être du même pays, l'Afrique du Sud. Non. Non. Dans Beyoncé, en plus, non, elle est d'Amérique du Sud. Je confonds avec Shakira. Oui. Beyoncé a repris ses paroles, en fait, dans une de ses chansons. D'accord. Alors, je ne suis pas un grand fan, entre guillemets. C'est un discours. D'accord. Mais je vous écoute. Éclairez-moi. Il s'agit de Chimamanda Ngozi Adichie, qui est une romancière nigérienne. Mm-hmm. Et qui a donc publié plusieurs ouvrages particulièrement féministes ces dernières années. Et donc voilà, le petit clin d'œil à Beyoncé, c'était donc, comme on l'a dit, une référence à... Je vous avoue, je ne sais plus quelle chanson de Beyoncé qui reprend mot pour mot un de ses discours, très connu d'ailleurs, issu d'un de ses ouvrages. Donc voilà. J'espère qu'elle y avait demandé avant pour les droits d'auteur. J'espère bien aussi. Alors, on se déplace sans plus attendre vers, il me semble, notre dernière figure. Qui, c'est pas un continent. En réalité, non pas en Afrique, mais au Moyen-Orient. Est-ce que vous reconnaissez toutes et tous cette personne ? Très peu connue chez nous, il faut le dire. Non, pas pour ma part. En tout cas, peut-être que des gens qui nous suivent en ligne vont pouvoir peut-être nous éclairer via le chat. Oui, mais personne ne veut. Ah, bon. Voilà. Alors, je vais laisser Mélissa vous présenter Amal Bachar, qui était donc la personne que nous avons choisie. Voilà, elle vient du Yémen, c'est une des activistes des droits humains qui défend les droits des femmes, les droits des prisonniers et aussi les droits des réfugiés. Ce que je peux dire, c'est qu'entre 2009 et 2010, elle a été victime d'harcèlement dû à quelques publications qu'elle a faites, si je ne me trompe pas, à l'ONU. Mais aussi dans un de ses forums. Et donc voilà, enfin, c'est une personne qui n'est pas très connue, comme a dit Hortense, mais une très grande activiste qui est une des héroïnes, en fait, comme d'autres qui ne sont pas très connues, qui sont silencieuses, mais qui sont quand même dans le livre. Oui, héroïne, c'est le cas de le dire, parce que je tiens à souligner quand même qu'il est d'autant plus important de mettre en valeur ces femmes qui se battent pour les droits des femmes dans des pays où la. Il est non seulement culturellement, mais aussi institutionnellement, je vais y arriver, ancré que les droits des femmes devraient être diminués par rapport à chez nous, mais voilà. Mais en tout cas, je suis ravi d'avoir participé avec vous à ce tour du monde. Je trouve que toutes ces femmes sont particulièrement inspirantes, et il y en a, je pense, beaucoup d'autres. Et je serais ravi de continuer à creuser les questions et à m'intéresser beaucoup plus à ces personnes. Donc, je vous remercie pour avoir merci mis en lumière aussi ces personnes. Merci à tous qui suivaient ce live. Et voilà. Passons la part à la troisième et dernière activité de notre IGT. À tout de suite. Alors, bonsoir à tous. Nous sommes donc à la dernière partie de notre présentation du GT Droits des Femmes et donc de la dernière présentation, en tout cas dans le cadre de nos compagnes de ce live. Alors, j'ai ici avec moi Paulina, Lucie et Nalou et on va vous parler de stéréotypes que nous avons reçus lors de notre semaine de campagne et nous allons en discuter et j'espère que nous avons des retours aussi de votre côté afin d'avoir votre avis et de voir ce que vous en savez et ce que vous en pensez bien sûr. C'est pas qui veut commencer. À toi, Léa. D'accord. Je vais déjà vous présenter un des stéréotypes qu'on a reçus. Par exemple, le fait de pleurer est vu comme quelque chose de plus tiré par rapport au niveau des femmes. Comme quoi, un homme ne devrait pas pleurer tout simplement. Et que oui, clairement, les personnes qui sont plus susceptibles de pleurer, ce sont les femmes. Alors, je voudrais avoir votre avis par rapport à ça. Voir ce que vous en pensez, vos ressentis. Et bien. Personnellement, je trouve que pleurer, c'est une émotion saine et que tout le monde ressent, tout le monde pleure, les garçons pleurent, les filles pleurent. Une chose que je trouve assez aberrante, surtout quand tu travailles ou que tu es en contact avec des enfants, c'est que quand un petit garçon pleure, il est en colère, il a des demandes à faire. Quand une petite fille pleure, elle est juste capricieuse, elle fait son caprice de la journée et les enfants sont éduqués de façon différente.
Je n'ai pas grand chose à rajouter par rapport à ce que j'ai dit, je trouve que c'était très complet. Il y a quelque chose que j'aimerais rebondir, mais plus après. Donc je vais plutôt d'avoir laissé Nalou parler. Moi je suis vraiment d'accord avec Paulina. Je trouve que exprimer ses émotions c'est quelque chose d'important parce qu'on est humain et que en tant que femme ou en tant qu'homme, on est humain et le fait de pleurer c'est exprimer une émotion qui est humaine. Moi je voudrais juste rajouter que je trouve que malgré le fait qu'on soit en 2020 et que les personnes tendent à dire qu'on est dans une société qui évolue, je trouve que dans l'éducation, il y a encore une trop grande présence de machisme, justement au niveau de ce que peut faire un garçon ou ce que peut faire une fille. Comme Paulina et Nalou l'ont dit, pleurer est avéré que ça fait du bien, que c'est naturel, que c'est un besoin qu'on a, que c'est une façon de manifester beaucoup d'émotions, tant la joie, la colère ou la tristesse. Et je trouve que c'est clairement pas une catégorie qu'on peut donner à cette émotion, on peut pas genrer ça, c'est humain tout simplement. Du coup, c'est tout simplement ce que j'avais à dire. Et juste une dernière idée pour ce premier stéréotype, c'est qu'il y a un lien entre la répression des sentiments des hommes et par exemple les statistiques de suicide. Dû au fait que les hommes n'ont pas le droit de demander de l'aide, ils se sentent pas légitimes d'exprimer leur détresse, etc. Et je pense que ça aussi, c'est une répercussion de ce stéréotype. Oui, je pense qu'il y a une certaine corrélation, justement, parce qu'ils ne peuvent pas manifester, j'ai du mal avec ce mot aujourd'hui, ils ne peuvent pas manifester ces émotions, et du coup, oui, ils doivent soit les contenir, ou soit on peut voir que ça entraîne des accès de violence envers la conjointe ou le conjoint ou envers les enfants. Et donc oui, le fait de retenir justement toutes ces émotions qui sont majoritairement négatives, eh bien oui, ça peut leur tendre vers le suicide ou vers les accès de violence, comme je viens de le dire. Je sais pas si tu voulais dire quelque chose. Oui, mais je voulais rebondir par rapport à ce stéréotype. On en a eu un autre qui était un peu lié. Le fait qu'un homme doit être fort et que la femme est vue comme quelqu'un de faible. Et donc ça rejoint aussi, comme tu disais, les pleurs. Et je ne sais pas pourquoi le fait, quand on a parlé des stéréotypes et donc le fait qu'un homme doit être fort, ça m'a fait penser à une vidéo TikTok que j'ai regardée d'une femme qui explique à son enfant comment se passe une césarienne. Et c'est vraiment la première fois que je voyais vraiment qu'on coupe les muscles et tout. Et c'est vraiment une grosse opération. Et je trouve que par exemple, ça montre bien qu'on ne se rend pas compte à quel point c'est extraordinaire en fait. On déchire vraiment le ventre de la femme et quelques semaines après, elle refait sa vie normalement. Et je trouve que, oui, vraiment, que c'est tout sauf faible en fait. Oui, clairement. Ouais. Bah, comme quoi, tout le monde souffre du patriarcat. Pas en fait. sinon, en parlant des stéréotypes de genre qui affectent les hommes, j'en ai reçu un assez intéressant. Qui disait qu'un homme, ça ne porte pas de bijoux, donc boucles d'oreilles, piercing, etc. Ça ne peut pas mettre de vernis, ça ne se maquille pas, ça ne fait pas forcément attention à son apparence vestimentaire, etc. C'est encore fort présent, hein, même parmi les jeunes. Oui, ça on remarque beaucoup, et de nouveau, je crois que c'est de nouveau au niveau de l'éducation qu'on peut donner, ou tout simplement au fait que les enfants voient ça aussi dans les dessins animés, dans les films, et à la télévision en général. Clairement je peux démentir ça, je passe littéralement presque une heure tous les matins dans la salle de bain, donc voilà. je me mets des masques deux fois par semaine, voilà. Je porte des bijoux parce que j'adore ça. Et je trouve que oui, de nouveau, le fait de se maquiller, de se faire du bien en prenant soin de sa peau et tout ça, de mettre du vernis, de nouveau, on peut pas genrer ça. C'est quelque chose qui fait partie de l'identité d'un individu, tant femme qu'homme. Et je trouve qu'on ne peut pas genrer ça de nouveau, c'est quelque chose qui n'est pas quantifiable à ce point-là. Oui, et malheureusement, la société fait ça dès le plus jeune âge de tout le monde, en fait. Du coup, un bel exemple, quand on en a parlé avec Paulina, quand on attend un enfant, il y a le super moment où on découvre le genre de futur enfant, et puis on doit faire la chambre, on doit choisir la couleur de la chambre, on achète les vêtements. Et on se rend compte qu'on associe plein de choses à un certain genre, comme par exemple la couleur. Le rose c'est pour les filles, le bleu c'est pour les garçons. Et voilà, au final, tout est conformé ainsi, alors que ça ne devrait pas être comme ça, je pense. Oui, c'est dès la naissance et ça peut paraître anodin, mais
dans certaines régions, par exemple, je ne sais pas si vous vous souvenez, donc c'était quand même dans cette décennie qui vient de se terminer, en 2017, on a découvert des camps de concentration en Tchétchénie, donc en Russie, qui étaient pour les hommes qui avaient l'air gays, parce qu'en effet, genre, attacher ses cheveux, c'était suffisant. T'étais suspect, on t'envoyait là, et donc ces stéréotypes de genre sur l'apparence, ouais, c'est extrêmement violent dans notre éducation et dans la façon dont ça nous force à nous comporter, mais ça peut aussi aller jusqu'à des extrêmes comme ça. Ben, je voudrais rebondir sur ce que vous venez de dire, justement, des stéréotypes où ben, on a des catégories comme ça qui se fait. Et nous avons reçu plusieurs stéréotypes justement qui parlent comme ça des attributions tant domestiques qu'au niveau professionnel. Donc tels qu'un homme ne cuisine pas ou que les médecins sont majoritairement plus des hommes, tandis que les femmes sont plus infirmières dans le sens où elles ne savent faire que ça. Je trouve ça de nouveau aberrant de voir ça maintenant. De nouveau, je parle de mon ressenti. Mon frère cuisine trop bien, ma belle-sœur est nulle à chier en cuisine, clairement. Donc voilà, c'est de nouveau des exemples qui montrent que ben non, tout ce qu'on montre à un enfant depuis le plus jeune âge, eh ben, c'est pas la réalité. Clairement, ce sont des stéréotypes qui sont ancrés depuis longtemps et qu'il faut tout doucement déconstruire avec notre génération. Maintenant, je pense que c'est clairement la bonne génération pour commencer à faire ça. Et au niveau de tout ce qui est au niveau professionnel, de nouveau, enfin, c'est la même chose tout le temps, c'est on peut pas genrer ça. Il faut arrêter, il y a des filles qui sont maçons, il y a des garçons qui sont puériculteurs, enfin voilà quoi. Il y a de tout, clairement, on ne peut pas genrer de nouveau une activité professionnelle selon le genre. Et mais si je peux rebondir sur ce que tu as dit, aussi justement par rapport à ce stéréotype, donc c'est les femmes qui sont dans la cuisine, quand on voit une cuisine, on voit une femme, mais par contre les grands chefs, ce sont souvent des hommes. C'est ça qui est assez, on parle aussi de il y a un certain pouvoir qui va avec. C'est directement un homme. Et du coup, la différence de salaire aussi. Ouais, oui, et, c'est vrai, c'est exactement. Genre, c'est une différence très présente encore maintenant. Mais sinon, pour cette différence de salaire aussi, et de la cuisine, des tâches ménagères, s'occuper des enfants, donc j'ai un stéréotype, quelqu'un m'a envoyé. On dit « tu es bonne à marier ». Apprends à cuisiner, à élever des enfants, aucun homme ne voudra de toi. Ça aussi, déjà, on assume le standard hétérosexuel, le mariage aussi. Donc les femmes restent au foyer, les hommes travaillent. Ça, c'est un petit peu le standard qu'on a en tête, mais il y a aussi des pays, des régions où les femmes ne peuvent pas légalement travailler. Donc elles n'ont aucune indépendance économique. Elles sont littéralement coincées au foyer. Oui, c'est sûr que, enfin, de nouveau, on en revient toujours au même truc, c'est que, voilà, une femme ne peut pas être réduite qu'à procréer et à travailler à la maison et s'occuper des enfants. On n'est plus à cette époque, clairement. On voit très bien que des femmes sont indépendantes, fortes, qu'elles savent faire des choses, même des fois même plus que les hommes, et que donc il faut arrêter de attribuer le rôle de ménagère à la femme. Un homme peut très bien s'occuper de tout ce que la maison inclut. Oui, et d'ailleurs, on a reçu aussi un autre stéréotype qui dit que quand on dit que les femmes ont un instinct maternel, donc on doit toutes faire des enfants, car c'est dans notre nature. Du coup, là, c'est vraiment la réduction du rôle de la femme à la procréation. Et alors que non, enfin, je veux dire, les hommes ont également cet instinct, le fait de dire ça, ça déresponsabilise aussi les pères qui en fait au final ont aussi un instinct de protection envers les enfants. Et voilà, je sais qu'on en avait parlé aussi nous de l'instinct maternel qui est inné mais qui n'est pas forcément que pour le propre enfant de la femme. Je pense que toi qui es un petit peu, tu peux en dire un peu plus sur le sujet. Et effectivement, on a remarqué que l'instinct maternel peut se développer chez une femme qui n'a pas d'enfant en fait, vers un enfant proche, donc sa nièce, son filleul, sa filleule, mais également qui peut être présent lors d'un enfant étranger, donc un enfant qui pleure, un enfant qui se fait mal. On peut remarquer que n'importe quelle femme aura cet élan
d'aller vers l'enfant, de voir s'il va bien, de vérifier que tout va, enfin, que tout est ok, de le rassurer, de vraiment le mettre dans une zone de confort. Et donc oui, donc l'instinct maternel n'est pas que pour son enfant. Clairement, il peut être applicable à d'autres enfants, proches ou non. Et puis, ce stéréotype peut aussi, peut faire que la femme, une mère, peut se sentir blâmée du fait qu'elle n'ait peut-être pas cet instinct maternel. Par exemple, dans le cas d'une dépression postpartum, c'est important que ces femmes-là aient un suivi psychologique et un soutien psychologique et qu'elles ne se sentent pas blâmées, qu'elles ne se sentent mal parce qu'elles n'ont peut-être pas cet instinct-là. Je ne sais pas si vous avez reçu d'autres stéréotypes. En rapport avec, par exemple, l'instinct maternel, le fait que la femme soit réduite à un incubateur, on peut parler de l'IVG aussi, on peut parler de la Pologne, et cette loi qui oblige à donner naissance, en fait. Vraiment, même si contre ta volonté, ça reste encore une idée fort imprimée. Parce qu'au final, le corps de la femme lui appartient. Et du coup, on ne peut pas réduire la femme et son corps, du coup, à la fonction de créer. Je pense qu'on a fait plus ou moins le tour des stéréotypes, on va dire, qu'on a reçus et qui sont les plus fréquents, malheureusement, encore à cette époque. Du coup, voilà, on a fini notre présentation. On vous annonce également les gagnants. Nalou, les gagnants du quiz de tantôt. Du coup, en première place, on a Dorianev, 1996. Ensuite, on a en seconde place Rox _ Gab. Et ensuite, on a Mickey 2675. On vous invite tous les trois à nous contacter sur nos réseaux sociaux, du coup la page Instagram Amnesty International ULB ou la page Facebook Amnesty ULB pour que vous puissiez réclamer vos prix. Voilà. Félicitations et merci beaucoup d'avoir participé. Ouais. Bonne soirée à tous. Alors maintenant, on va vous inviter à passer à la dernière étape de notre live qui est du coup l'anniversaire de la déclaration universelle des droits de l'homme. Si vous avez un petit gâteau, n'hésitez pas à nous joindre. On va souffler les bougies parce que c'est un bel anniversaire à fêter. Voilà, merci beaucoup. Merci.